Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est comment rétablir ma relation avec Dieu après m'être éloignée. Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, Jérémy répondra à la question ⁇ Je vis avec la conséquence de mon péché. Comment être pardonné par Dieu ?⁇ et nous terminerons avec la rubrique Culture et Médias. Nadine va nous présenter le défi Bible l'Impact. Voilà, vous connaissez le programme. Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Nadine. Vous allez bien Bah oui. Très bien, allez. merci. Super. Aujourd'hui, nous allons parler de revenir à Dieu. Ce n'est pas forcément évident. Hein. On s'éloigne, les jours passent, les mois passent, parfois les années passent. Ouais. Et puis, on a l'impression qu'on sait plus comment revenir. C'est comme nager un peu à contre-courant. Et euh, on, on a l'impression que c'est trop tard, que c'est fini pour nous. Donc, Anne, dans la pensée mmh. du jour, tu vas nous expliquer comment on peut faire ça Allez, on y va. C'est parti. <laughs> Anne, le titre de ta pensée est Revenir à Dieu après une sortie de route. Oui, c'est un long titre, mais j'aurais pu appeler ça En panne. Et certains d'entre nous se retrouvent aujourd'hui dans ce genre de situation pénible, où après avoir marché avec courage et détermination, et parfois euh, même régularité, on se trouve à l'arrêt, incapable de repartir, complètement paralysé. Et les paroles de l'apôtre Paul au galates résonnent pour nous. Vous courriez bien, qui vous a arrêté dans Galate 5,7 au début de notre vie chrétienne, souvent, on ressemble un peu à ces jeunes soldats de 18 ans en août 14 qui partaient combattre l'ennemi avec la fleur au bout du fusil. Ils étaient complètement inconscients ce qui les attendait avec un sentiment d'invincibilité. Et c'est vrai qu'on part avec fougue, avec enthousiasme et puis ce même sentiment d'invincibilité. Puis c'est une bonne chose parce qu'il en faut de l'enthousiasme, il en faut de la fougue dans le service de Dieu. Et puis la grâce qui nous a été faite, elle est merveilleuse. Donc c'est sûr qu'on est très enthousiaste avec, cette telle, avec une, une telle gloire attachée à notre service. Et la vie chrétienne, cependant, c'est un long pèlerinage. Et la Bible nous prévient que nous serons la cible de bien des attaques et des tentations tout au long de notre marche. Et Paul multiplie ses avertissements. Il nous invite à tenir ferme, à persévérer, à ne pas nous décourager et à ne pas nous relâcher. Mmh. Dans Galates 6,9, il dit Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui arrive quand on s'est relâché Est-ce qu'on est disqualifié pour toujours Et puis, comment faire pour repartir bah, quand on lit la biographie des grands hommes et des grandes femmes de Dieu, on s'aperçoit que de grandes figures glorieuses de notre histoire chrétienne ont eu aussi des moments de fléchissement, euh, parfois de découragement et peut-être aussi de refroidissement spirituel. On idéalise leur vie et on s'imagine que leur trajectoire n'a été que gloire et victoire, mais eux aussi sont passés par des temps d'épreuves, de découragement, de fatigue. Mmh. Ils ont connu des pannes sèches. Alors euh, je pensais au grand revivaliste Smith Wigglesworth parce que on a toujours l'impression que tu c'est sais, que des gens comme ça c'était toujours merveilleux puis en lisant sa biographie je me suis rendu compte qu'il a eu lui aussi un moment un petit peu de fléchissement avant de se ressaisir il y a aussi Evan Roberts dont j'ai parlé euh, il y a peu de temps dans une rubrique sur euh, le réveil au pays de Galles il a connu une grosse période d'épuisement après les deux premières années de réveil au pays de Galles en 1904 1906 et au bout de ces deux années glorieuses, ben il s'est posé sur le bord du chemin, mais il est reparti après et Dieu lui a fait grâce. Et ce qu'il faut retenir de leur expérience, c'est que Dieu ne les a pas disqualifiés, mais qu'au contraire, après leur temps de désert, il s'est puissamment servi d'eux pour sa plus grande gloire. Dans la Bible, on a aussi l'exemple de Élie qui, après avoir vécu des victoires époustouflantes hein, dans 1 roi 19, se retrouve apeuré, découragé. Il s'assoit sous son genêt et il demande même la mort tellement il est au bout du rouleau. Mm -hmm. Et là, l'ange de l'éternel, si vous connaissez l'histoire, euh, s'approche, le touche et lui dit « Lève-toi et mange !» Et puis, eh ben, il y mange et boit et puis il se recouche, il se rendort. Et puis, on ressemble à ça souvent. Mm -hmm. Puis là, l'ange de l'éternel se rapproche, il lui dit « Lève-toi et mange car le chemin est trop long pour toi. » Et c'est vrai que souvent, dans notre trajectoire chrétienne, on peut avoir des moments comme ça où on a besoin qu'on nous dise ⁇ Lève-toi et mange ⁇ parce que le chemin est un peu trop long pour toi. Cette parole s'adresse à nous. Quand on est à l'arrêt, Dieu patiente avec nous et nous invite à nous ressaisir le plus tôt possible. Parce que comme Élie nous dit ⁇ Mange et bois ⁇ et nous devons commencer par nous nourrir. Il sera complètement impossible de repartir si notre être intérieur est complètement desséché, assoiffé. Et ben, on n'en a certainement pas envie, mais il faut se nourrir de bonnes choses. Il faut recommencer à lire la parole de Dieu, il faut recommencer à chanter des cantiques spirituels, il faut y aller tranquillement, mais sûrement. Quelques minutes, plusieurs fois par jour, un petit peu à chaque fois, ça va faire une grosse différence. Je pense qu'il faut se forcer à prendre quelques petites pauses dans la journée pour renouer cette communion avec Dieu qu'on a perdue. Prendre un petit dix minutes pour lire un petit quelque chose, un petit passage ou une méditation. Euh, chanter, même se forcer à hein, chanter, ben, au lieu de chanter je sais pas quoi sur la radio. Mettez, euh, mettez de la musique chrétienne et chantez avec. Puis des petites touches comme ça répétées au bout de la journée, ça va faire toute une différence. Ça va réamorcer dans notre cœur ce, ce désir de nous tourner vers Dieu. Ça va réamorcer cette soif des choses de Dieu. Et en très peu de temps, on va retrouver notre vitesse de croisière. Mmh. Un des écueils quand on est à terre, c'est de se sentir coupable. On est déçu de soi-même et on pense que Dieu est également déçu de nous. Eh bien, ça c'est une erreur parce que Dieu ne peut pas être déçu de nous puisqu'il s'est jamais fait d'illusion sur nous. <laughs> on était tellement irrécupérable qu'il a dû envoyer son fils unique se sacrifier à la croix pour nous. Mm. Alors on se trompe lourdement si on pense qu'on peut le décevoir. Au contraire, puisqu'on est parti le plus bas possible, on ne peut que réjouir son cœur de père en allant de mieux en mieux. La culpabilité c'est une perte de temps et d'énergie. Dieu nous aime au travers de Jésus son Fils. Il nous aime quand on est performant, puis il nous aime aussi quand on est minable. Il nous aime quand on est face au vent et il nous aime quand on est au fond du trou. Et puis quand on a compris ça, on se relève beaucoup plus facilement de nos temps de panne sèche. Et euh, moi personnellement, quand je commence à faire du surplace, j'aime bien repasser dans mon cœur ce verset de l'Épître aux Hébreux. Hébreu 4,16 qui dit Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Puis la version d'Arbi, qui est proche du texte grec, dit Afin de trouver du secours au moment opportun. Puis c'est sûr que quand on est au fond du trou, ben c'est là ce fameux moment opportun. Alors relevons vite la tête parce que la course n'est pas terminée. Merci Anne pour ta pensée. Amen, la course n'est pas terminée tant mmh. que euh, Dieu n'a pas décidé que c'était mmh. fini. Oui, oui. Ce n'est pas fini. Et ça, c'est encourageant. Et puis, en t'écoutant, on a peut-être tous en tête l'histoire du fils prodigue, hein, qui, euh, qui est revenu, ah ouais. qui est revenu. Et on voit ce Dieu euh, plein d'amour pour son fils, qui l'attend les bras grands ouverts, qui fait une grande fête même quand il revient et qui ne va pas lui reprocher d'être parti, d'avoir dilapidé tout l'argent, d'avoir fait ses expériences, etc. Et c'est vraiment cet amour-là euh, que Dieu a pour nous. Cette patience-là, et c'est vrai que j'aime ce que tu dis par rapport à la déception. Effectivement, euh, Dieu nous a tellement racheté de loin que euh, il, finalement, on ne pourra jamais retomber aussi bas que là où on était avant. Quoi. Donc, on a juste le choix d'avancer. Mm -hmm. Et puis, cette décision euh, de revenir à Dieu quand on s'est éloigné, c'est vraiment une décision qu'il faut prendre. Et euh, plus on va laisser de temps s'écouler, plus ça va être difficile de revenir, en fait. Et c'est ça qui est important de comprendre c'est que. S'éloigner, c'est une mauvaise chose, en soi, mais... Qu'on persévérait dans l'éloignement, c'est bien pire en fait, parce que bon, il y en a tous eu des hauts et des bas. Je ne vais pas dire qu'on s'est tous éloigné de Dieu à un moment ou à un autre, pas forcément, mais on a tous eu des hauts et des bas dans notre relation avec Dieu. Mais quand on était en bas, on a choisi de remonter en fait. On a choisi de se fortifier. Et tu parlais des, des louanges ou de lire des versets, etc. C'est vraiment des bonnes choses parce qu'on se reconnecte avec Dieu. Et ça me fait penser au témoignage de Gwen qui nous avait partagé dans le C'est mon histoire où il a raconté lui sa sortie de route qui a c'était quand même une grande sortie de route qui l'a emmené loin, qui a duré longtemps. Mais il disait, euh, si vous vous en souvenez, il disait qu'il il, s'empêchait de chanter des louanges. Quand un chant montait et que c'était des louanges, immédiatement il se retrouvait à terre parce que la présence de Dieu venait. Et il s'empêchait de chanter des louanges parce qu'il voulait plus ressentir ça. Jusqu'au jour où il a, il a dû céder finalement devant, euh, devant la, la puissante main de Dieu. Et euh, ça me faisait penser à ça. On voit vraiment qu'il y a une puissance dans justement ce, cette reconnexion par la louange, par la parole, etc. On se reconnecte à Dieu en fait. Amen. La prière est puissante et euh, elle a la capacité de nous faire revenir à Dieu. Mm -hmm. Et je crois que comment on peut rétablir notre relation avec Dieu bah, C'est en priant. Mm -hmm. Et en priant aussi, en étalant aussi des fois nos, nos sentiments, ce qu'on mm -hmm. peut ressentir. J'ai réalisé dernièrement euh, par rapport à, à David, au roi David dans les psaumes, comment cet homme-là qui avait le cœur de Dieu... Euh, à la fois, c'était un homme de louange, un homme d'adoration, mais aussi parfois il, il, il parlait à Dieu de façon un peu, on, a, on aurait l'impression que c'est un peu désinvolte, mmh, ouais. euh, c'est pas très poli, ça, ça respecte pas les, les normes euh, le établies, protocole. par les, ouais, le, le protocole. Mais en fait, il, 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 ce qu'il avait dans son cœur, il, il le parlait, il le disait à Dieu, il exprimait vraiment ce qu'il ressentait. Et euh, des fois, on est à peur de dire à Dieu, bah, Seigneur, vraiment, j'ai bah, l'impression que je t'aime plus. Euh, je, voilà, « J'ai vécu dans le péché parce que euh, avec toi, bah, ce n'était pas super. » Comme on pourrait parler à quelqu'un, en fait, ouais. et à lui dire bah, « voilà, pourquoi, pourquoi je suis tombé Pourquoi mmh. j'ai fait ceci bah, ?» Être vraiment honnête envers Dieu. Et je pense que cette honnêteté euh, envers Dieu, bah, elle a la capacité de nous changer. Quand on est honnête envers Dieu, quand on dit bah, « Seigneur, vraiment, c'est parce que je sais pas, je ne ressens rien, euh, c'est le vide en moi, euh, j'ai voulu goûter ailleurs, mais... » Et toi, ta parole dit que voilà que, voilà que je serai dans la joie, je serai dans la paix, mais je ne suis pas dans la joie, je mm -hmm. ne suis pas dans la paix. Et commence à prier en disant Seigneur, je veux que ça change. C'est la prière, mais la prière de la foi. C'est vrai qu'on va exprimer nos sentiments à Dieu, et si ceux qui écoutent sont loin de Dieu aujourd'hui, bah, exprimer nos sentiments à Dieu, vos sentiments à Dieu, voilà ce que je ressens, mais voici aussi ce que j'aimerais. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Je crois que c'est pas la peine de... de, ou de faut, faut, je pense que ce n'est pas, pas très vrai de penser qu'il faudra des années ou des mois mm. pour rétablir une relation avec Dieu. Je pense que ça peut se faire en, en un instant, en une prière, mais une prière sincère, une mm. prière du cœur, où vraiment on crie à Dieu s'il faut, on se met à genoux, je, à partir d'aujourd'hui, vraiment, je reviens au Seigneur. Mm. Le Seigneur, il est bon, il est fidèle, il, il va nous ramener, il va nous fortifier, comme tu le disais avec Gwen, bah, lui, sa main puissante sera sur nous, il va nous relever. Mm -hmm. Ça va se faire naturellement. C'est ça, je rebondis là-dessus, il faut être honnête, il faut être vrai. Mm. Et je vais peut-être citer un verset qu'on utilise d'une autre manière. Quand Jésus dit, c'est la vérité qui vous affranchit, c'est la vérité qui rend libre. Mm -hmm. Et quand quelqu'un est éloigné de Dieu, c'est la vérité qui va vous rendre libre. Mm -hmm. Parce que bien souvent, c'est le mensonge qui nous garde éloignés de Dieu. Le mensonge qui veut nous faire croire que c'est de la faute de Dieu, que Dieu nous aime mm -hmm. plus, qu'il qu n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Ou que, pire encore, il nous aime plus à cause du mal que l'on a pu faire. Qu'on est trop mauvais pour retourner à l'église mmh. ou trop mauvais pour prier, qu'il nous écoutera mmh. plus après tout le mal qu'on a fait. Ça, c'est du mensonge. Et quand on est honnête, comme jérémy l'a dit, quand on est honnête, quand on sait parler vrai à Dieu, quand on sait lui dire nos frustrations, certes, mmh. mais quand on est honnête aussi sur qui il est, quand on est honnête sur tous ses bienfaits, quand on sait compter tous les, les bienfaits, mmh. qu parce que, si, si tu t'es de Dieu, parce qu'il y, y en a qui nous écoutent là, hein? enfin je suppose qu'il y en a qui nous écoutent ouais. ils, sont, ils sont là derrière il y, y en a qui sont concernés directement par, par euh, ce qu'on est en train de dire euh, aujourd'hui en disant ben en, en éloigné, des fois, on est là perdu dans, dans, dans un mensonge et de dire, ben non, mais Dieu voudra pas de moi. Il faut pas se laisser euh, manger par, par les mensonges du diable, mais revenir à la vérité. Et la vérité, c'est aussi de se souvenir, de se souvenir des moments passés avec Dieu, de se souvenir de la communion avec Dieu et, et d'être honnête là-dedans en disant, comment est-ce que tu étais quand tu avais une communion avec Dieu, quand tu marchais avec Lui, et maintenant que c'est perdu Comment est-ce que tu le vis Et de dire, ben, j'ai perdu quelque chose. Et là, l'honnêteté va, va dire, ben, ça me manque. Mm -hmm. Et puis, il faut que je retrouve ça. Mm -hmm. Et ne pas écouter les mensonges du diable qui veut faire croire que c'est plus possible, qu'il n'y a plus d'espoir. Non, non, c'est encore aujourd'hui mm -hmm. un temps de retour. Amen. Et bon. on va regarder notre verset du jour qui va vous donner à la maison la recette si vous dites, mais comment je peux faire 2 Corinthiens 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et c'est la recette, la prière, mmh. la repentance, la vraie repentance, pas juste la repentance des lèvres, mais la repentance du cœur, mmh. un vrai changement. On invoque son nom, on croit qu'il est Dieu et qu'il peut nous relever. Dieu fait cette promesse, « Je pardonnerai ouais. son péché, je le pardonnerai, je oui. le guérirai. Mmh. » Et c'est une merveilleuse promesse qui est contenue dans ce verset mais déjà moi juste pour revenir à la pensée d'Anne que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, à moi aussi c'est que <laughs> oh. Et toi c'est normal t'es obligé on, on soutient non, tous cette chronique t'as signée. <laughs> c'est que dans une sortie de route euh, c'est souvent c'est la combinaison de plusieurs éléments c'est la, la, la qualité de la chaussée l'environnement même s'il pleut, s'il neige, mm -hmm. et le, le conducteur, sa vitesse, son inattention. Mais lorsqu'une sortie de route arrive et que le conducteur est au fond de la, de la fosse, de, du fossé, et que des secours arrivent, ils vont pas se demander est-ce que c'était parce, est parce que vous conduisez trop vite, eh ben alors vous alliez rester. Non, le but <laughs> c'est de te faire sortir de là. Mais, sur, mais nous, quand nous sommes des chrétiens et quand nous sommes tombés soit dans un péché ou que notre, notre cœur s'est tout simplement endurci parce qu'on est tombé dans la, la, le quotidien de tous les jours, on a manqué des réunions, on n'y va plus, on n'y va plus, et finalement on a complètement arrêté d'aller à l'église. Bon, on commence à se questionner, on fait comme ce conducteur qui va dire ben non, c'est parce que j'avais roulé trop vite, alors je mérite d'être ici. Mmh. Non. L'important, c'est qu'on reconnaît, comme le verset l'a dit, qu'on qu qu s'est oui. détourné, qu'on qu qu est sorti de la volonté de Dieu, qu'on s'est éloigné de Dieu. Et bien, à ce moment-là, on fait appel à Dieu. Mmh. Et Dieu va venir nous chercher. Comme, ce, comme le, le, la, la, la dépanneuse, quand elle vient nous mmh. sortir de là, bien, elle vient nous sortir de là. Et bien, le conducteur, il sera là la prochaine fois que quand il pleut, bien, voici comme, comment je dois rouler, tout oui. simplement. Quelle oui. image, ça, Nadine! Oui. Ouais. Très bien. <laughs> c'est ça, ce que ça, ça nous montre les, les deux côtés, aussi oui. bien pour la personne qui est sortie de route, de dire il y a moyen de revenir mmh. que pour ceux qui sont autour mmh. en disant il faut pas dire bon lui il n'y a plus d'espoir. Mmh. Ah non mais cette personne-là après tout ce qu'elle a fait elle pourra plus jamais revenir. Il faut jamais dire ces choses-là parce ah ouais. que euh, je veux pas dire que tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir hein, mais c'est un peu près mais ça aussi c'est un peu ça, un peu quand même, peu hein, ça hein, aussi oui. et de dire que Dieu, lui, il attend et il, esp euh, il espère, je veux dire, il attend le mmh. retour euh, du Fils prodigue. Mmh. Il ne dit pas, bon, ben là maintenant, ça commence à être long, il ne reviendra plus. Mmh. Il attend jusqu'au moment où. Et de la même manière, on doit avoir cette position de foi, de, de prière, d'encouragement, parce que euh, peut-être. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui s'est éloigné, mais il suffirait de pas grand-chose, peut-être une parole, un coup de fil, un email, mm -hmm. un petit message pour l'encourager. Et, et rien que ça, ben, ça, ça suffit. Mais pour ça, il faut y croire. Oui. Euh, et puis, c'est des deux côtés que ça se passe. Mm -hmm. Aussi bien du côté de la famille, que ce soit la famille qui est euh, l'Église ou une famille euh, euh, humaine, ou que ce soit du côté de, de la personne concernée, ben, se dire ben, rien n'est fait encore, mm -hmm. rien n'est fini ça peut encore changer. Mm -hmm. Et la repentance, ben c'est un changement. Oui. Et c'est de ce changement-là, ça commence par la repentance. Quand on se repent, ben, on amorce un changement et un retour. Oui. Et tu parles de, de l'entourage, et, euh, et c'est vrai que c'est très très important, mm -hmm. ça. Euh, on s'en souvient dans le témoignage de Gwen euh, il parlait de toi, Jérémy il était très ému, il parlait d'Annabelle aussi, vous lui écriviez, vous l'encouragez vous l'avez jamais laissé de côté et ça c'est très très important et je me souviens aussi de ce frère euh, dans, dans notre église qui s'était éloigné pour un temps et qui voulait revenir mais qui était sûr qu'il allait être tellement jugé quand il allait revenir qu'il ne voulait pas revenir à l'église et il résistait, il résistait un dimanche il est venu finalement et il a été baba de voir que tout le monde était super content de le revoir, comment ça va, etc Ouais. On l'a tous. On était heureux qu'il soit là. Ouais. Personne ne lui a dit bah, « t'as fait quoi Pourquoi ouais. t'es parti ?»« Ah bah non, tu peux plus revenir, tu t'es éloigné. Est-ce qu'au est moins tu t'es repenti avant de venir ?» Personne n'a ouais. rien commenté. Ouais. Et C'est ouais. important l'entourage dans ouais. ces cas-là. Ouais. L'exemple ben, que tu as donné, ben, j'imagine que beaucoup euh, pensent à des exemples concrets. Oui. Et c'est un mensonge qui est le plus fréquent. Quand quelqu'un commence à se dire ah, « j'ai envie de revenir, mais… Ouais. » et de dire ah, ben, « je vais être mal accueilli, je vais ouais. être jugé, je vais être rejeté », c'est déjà faux par rapport à Dieu, c'est vrai aussi par rapport aux frères et sœurs de l'Église. Mmh. Et souvent, on se fait toute une montagne pour revenir, et mmh. puis enfin en fin de compte, quand on revient, bah, tout mmh. va très, tout, tout va on très bien. bien. De on est juste notre content notre de retrouver notre frère ou notre sœur qu'on n'a pas vu oui. depuis. Mais le pire, c'est de penser ça de Dieu. Hein, oui. Parce que là, on parle vraiment oui, de oui, revenir à, à Dieu, de rétablir mmh. ma relation mmh. avec Dieu. Il euh, n'y a pas de péché trop grave que, que Dieu ne peut pas pardonner. Oui. Amen. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est tombé très bas ou qu'on estime qu'on est tombé très bas, Dieu ne peut plus rien faire pour nous. Ça, c'est un terrible mensonge. C'est sûr. Hein Mais c'est souvent ça qui nous garde quand même captifs quand on s'y moigne. Mais là où le péché a abondé, la grâce a Amen. surabondé. Amen. Ah, là, je vais placer ma citation. Ah, on là, y là. va. parle de grâce. Martin Luther King, que je ne vous présente plus, a dit oh, Je vais attendre que la citation s'affiche. Ne pas m'afficher la citation, je vous la lis quand même. <laughs> Dieu a les deux bras étendus, l'un est assez fort pour nous entourer de justice et l'autre assez doux pour nous entourer de grâce. Ouais, et bon. cette grâce de Dieu, elle est là et c'est vrai que son bras est mmh. assez puissant pour nous entourer de sa grâce. Et cette grâce elle est elle est utile mmh. justement est quand ça, on s'est éloigné, vrai. quand on a péché, on a besoin de la grâce de Dieu en tout temps, mais dans ces moments-là, on en a encore plus besoin. Oui. C'est cette grâce qui est absolument gratuite qui fait que le Seigneur peu importe ce qu'on a fait finalement, si on revient à lui de tout notre cœur, si on est repentant sincèrement, oui. il est là. Il nous accueille, il nous attend en fait. Il passe, il, est, il nous attend simplement. Et vraiment, j'aimerais que cette image du dieu, euh, euh, du père Fouettard là, qui veut juste châtier ses enfants, puisse être cassée aujourd'hui dans la vie des gens qui nous écoutent, parce que c'est tellement un mensonge du diable. C'est ce qui fait qu'on ne revient pas. Et certains vont passer leur vie à vouloir revenir, mais à ne pas revenir. Et ça, c'est une tragédie. C'est une tragédie. C'est des vies perdues finalement. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est parfait. C'est ça. Il nous aime parce qu'on est imparfait. <laughs> Amen. Amen, il parfait. nous aime malgré notre imperfection. Ouais. Ouais, oui. Il nous aime comme on est. Il, il, il nous aime, point. Vraiment. Comme fois, on aime crois... nos enfants, même s'ils ne sont pas parfaits. Mais ouais. des fois, je crois qu'on tra... on, 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 on projette sur Dieu nos propres attributs. Parce que nous, on serait ah, impatient parce que nous, on, on ne pardonnera pas, parce que nous, on ne récupérerait pas quelqu'un après cette étoilée éloignée pendant autant de temps. On pense juste à une amie qui a fait cinq ans sans nous appeler, puis elle nous appelle le matin. On serait choqué. Puis on pense mmh. ces attributs qu'on a, on les projette sur le mmh. Seigneur. Mais Dieu est... Infiniment grand, il est au-delà de, de nous, il est, il est d'une autre nature, d'une autre dimension. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse réaliser ça, et c'est déjà le premier pas vers le retour vers le Seigneur. Vraiment. Mmh. Est-ce que Dieu cherche avant tout c'est un cœur, mmh. un cœur attaché à lui, un mmh. cœur obéissant, un cœur soumis à sa volonté. C'est pas quelqu'un qui va être consacré plus 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 plus, mais dont le cœur est éloigné. La première chose si on veut se reconnecter à Dieu, c'est avec son cœur. Après, on va recommencer à une vie de consécration. On va recommencer à prier, à lire sa parole et tout ça. Mais ça part du cœur, ce désir part du cœur. Ensuite, on va alimenter ce désir, comme tu l'as dit dans ta pensée, des cantiques. On va commencer à méditer sur certains versets. Mmh. Mais il ne faut pas non plus se mettre de pression et mmh. se dire que justement, ça va être une consécration exceptionnelle et que Dieu cherche à tout prix ça. Je n'ai pas prié pendant tant d'heures par jour, donc je ne peux pas revenir à Dieu, je suis encore trop loin. Mmh. D'abord le cœur, ça part du cœur. Puis, en fait, le cœur bien disposé va nous amener ensuite à cette consécration. On va avoir, on va avoir soif de Dieu, on va désirer revenir à lui. Je ne sais pas, quand tu es dans le désert et tu es déshydraté, tu vois une source, bah, tu plonges dedans, quoi. Oui, tu oui, réfléchis oui, pas. Oui, oui. Tu as, as soif, tu oui. y vas. Donc oui. ça part du cœur et la soif va venir. Et puis ensuite, ça, ça va aller tout seul. Oui, oui tu voulais. Non Oui, y... moi, je veux dire oui. à quelqu'un bah, qui oui. écoute, euh, parce qu'il y, y, y a différentes façons de revenir à Dieu. Oui. Mais. Euh, des fois, on doit être déterminé. Et il y a des gens aujourd'hui, vous écoutez, vous, êtes, euh, vous avez fait n'importe quoi, vous êtes dans le péché. Et est ce que vous avez besoin aujourd'hui, entre autres des hommes, arrêtez de, de mettre la responsabilité sur Dieu. Mm. C'est vous qui devenez revenir à Dieu. Tu dois revenir à Dieu, tu dois te repentir. Et tu dois arrêter d'imaginer que c'est les autres qui vont t'aider à revenir à Dieu. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Et Dieu dit dans sa parole, soyez des hommes faut que tu sois un homme, que tu prennes ta vie en main, que tu reviennes au Seigneur et de tout ton cœur. C'est possible, c'est entre tes mains, c'est entre tes pouvoirs. Donc tu as le choix aujourd'hui. Soit tu vas marcher loin de Dieu, soit tu vas continuer dans cette voie, soit tu vas continuer dans le péché et jamais tu pourras vivre ce que le Seigneur avait prévu pour toi. Aujourd'hui tu vas prendre une décision, maintenant c'est fini, c'est terminé, je suis un homme, je veux revenir à mon Dieu et je vais revenir à mon Dieu. C'est maintenant à toi, c'est la décision, Dieu met devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir la vie. Si tu choisis la mort, tu mourras. Mais si tu choisis la vie, tu vivras et tu vivras éternellement. Et Dieu va te relever de là où tu es, mais tu as besoin d'être déterminé. C'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. Ben, C'était une intervention qui valait la peine. Hein? <laughs> Amen. 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 Et Jérémy, on va rester avec toi. On te laisse la parole. Tu vas répondre à la question de Liliane de la Belgique dans Pasteur, j'ai une question qui dit Je vis avec la conséquence de mon péché. Comment être pardonné par Dieu oui, c'est une grande question, Liliane. Euh, bon, il y a deux choses ici. Il y a le pardon de Dieu, euh, il y a la conséquence de son péché. Et bon, vivre des conséquences de son péché, ça ne veut pas forcément dire, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pardonné par Dieu. C'est ça qui est important. Et ça, c'est vraiment déjà une chose qu'il faut régler. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, alors que pendant qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ouais. Donc, la preuve de l'amour de Dieu, elle a déjà été faite. Oui. Dieu a déjà prouvé son amour, et j'imagine que Liliane, en fait, elle se dit bah voilà parce que je suis malade ou parce que ceci parce que cela, euh, Dieu ne m'a pas pardonné. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est faux. C'est deux choses totalement différentes, indépendantes les unes des autres. Vivent des conséquences de son péché, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pardonné. Amen. Et on ne doit pas s'appuyer sur des circonstances pour évaluer l'amour ou la bonté de Dieu pour nous. On ne doit pas s'appuyer sur des choses, sur des manques, sur la pauvreté ou je ne sais quoi, pour se dire bah, Dieu, Dieu n'est pas avec moi. Non, Dieu Dieu est avec moi, Dieu m'aime. Donc la preuve de son amour, c'est fait. Il n'a plus besoin de prouver qu'il qu nous aime. La Bible dit depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Donc c'est de la même façon, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, ça se voit. Christ est mort pour nous, pendant qu'on était encore pécheurs, et ça c'est extraordinaire. Et Paul, il dit que puisque Christ est mort pour nous, quand on était encore dans le péché, alors à combien plus forte raison maintenant qu'on est justifié par son sang, qu'on est sauvé par lui de sa colère, quand on était ennemi, on a été réconcilié avec Dieu par la mort de Jésus, et à combien plus forte raison maintenant qu'on est réconcilié, le Seigneur Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père. Il est là vraiment pour nous réconcilier. Maintenant, bon, dans 2 Samuel, chapitre 12, j'avais parlé dans une pensée de, du roi David, mm -hmm. le roi David a péché. Il a fait, il a fait mourir un, euh, le mari d'une femme pour pouvoir euh, coucher avec elle. Et finalement Dieu lui a dit à travers le prophète, bah voilà Dieu te pardonne. Il mm -hmm. a clairement dit ça, voilà mm -hmm. tu es pardonné, tu ne mourras pas, mais l'enfant par contre qui va naître de cette union te sera enlevé. C'était la on conséquence. Ce, hein. Voilà c'est ça. Mm -hmm. C'était la conséquence. Voilà on sait ce qu'il a fait. Il s'est mis à, à pleurer par terre etc en demandant au Seigneur de ne pas le de ne pas euh, de lui en donner enfant, la vie en oui. tout cas. Et euh, la Bible dit qu'au bout d'un moment, finalement, bon, l'enfant est mort et David s'est relevé, euh, il s'est lavé, il s'est parfumé, on avait vu ça, il a changé d'habit, puis il est retourné à la maison de Dieu, il a commencé à se prosterner, et après il est revenu, il a commencé à manger, à boire, à reprendre une, une vie normale. Maintenant, peut-être que Liliane... Euh, en voulant répondre à cette question, j'ai pensé qu'elle a peut-être attrapé une maladie. Il mm -hmm. euh, y a des maladies infectieuses qui peuvent être euh, voilà, reçues suite à un péché particulier. C'est peut-être le cas de Liliane. Mm -hmm. On doit comprendre que qui est Dieu et qui est notre ennemi. Euh, David, il a perdu son enfant, ça c'était la conséquence de son péché. Mais maintenant, nous, Christ est mort pour nous, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. David n'avait pas Jésus-Christ. Mm. N'avait pas Christ sur la croix, n'avait pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne parlait pas pour lui. Il était certainement dans une bénédiction, une alliance de l'Ancien Testament, mais nous, on a une alliance bien meilleure, mm -hmm. bien plus glorieuse que celle de l'Ancien Testament. Mm -hmm. Donc la conséquence de Liliane, si c'est par exemple une maladie, ok, il mm -hmm. y a une conséquence qui est là, mais maintenant le Seigneur veut la relever. Mm -hmm. Il veut la relever, il veut la guérir, c'est sa volonté parfaite. Et maintenant, comment faire, comment euh, sortir de là C'est par la foi. Il faut, Liliane, que vous puissiez croire que Dieu est bon, que Dieu vous aime, qu'il vous a pardonné, et maintenant prendre autorité contre la maladie, et pouvoir, s'il le faut, prendre autorité contre Satan. Maintenant, peut-être que c'est aussi euh, Liliane, elle est peut-être tombée enceinte, c'est mm -hmm. un péché, adultère ou je ne sais quoi. Euh, L'enfant qui sortira d'elle, il est béni. La conséquence de son péché, c'est que, bah, elle est enceinte et elle n'avait pas prévu d'avoir cet enfant. Mmh. Mais la bénédiction surpasse la malédiction. Mmh. Et c'est quoi la bénédiction qui surpasse la malédiction ou le fait, la conséquence du péché mmh. C'est que cet enfant qui va sortir d'elle, qu'elle n'avait pas prévu, il est béni. Amen. Il est béni de Dieu parce qu'elle est avec le Seigneur. Mmh. Et c'est bien plus grand que la conséquence de son péché. Donc maintenant, je voudrais dire à Liliane, relevez-vous, mmh. parlez à votre âme, lavez-vous, parfumez-vous, changez vos habits de deuil, soumettez-vous à Dieu, la Bible dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mm. Nettoyez vos mains maintenant que vous avez péché, purifiez votre cœur par la foi. Et si vous avez ici jusqu'à un cœur partagé, eh aujourd'hui prenez la décision voilà, de, de marcher avec le Seigneur, de croire en son pardon. Et si vous avez pris conscience de votre misère, et apparemment c'est le cas, mm. vous étiez ici jusqu'ici dans le deuil, vous avez certainement pleuré, votre rire s'est changé en pleurs. Alors aujourd'hui, abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Demandez-lui, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. J'ai cru que tu étais un mauvais père, j'ai cru que tu m'avais pas pardonné, j'ai cru que le sang de Jésus n'était pas assez suffisant, mais maintenant je crois que je suis pardonné. Et au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre peut-être cette maladie, contre ce problème particulier, et il va vous faire sortir la tête de l'eau. Mmh. Amen. amen, amen, amen. En, en t'écoutant, je, je me souvenais d'un témoignage qu'on avait partagé dans les débuts de Bonjour chez vous, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était ce frère. Euh, qui euh, avait euh, vécu, qui s'était éloigné de Dieu, qui était vraiment allé dans toutes sortes de péchés, euh, même je crois dans l'homosexualité, et qui avait attrapé le SIDA suite à ça. Et en fait, il, était, alors, il était revenu à Dieu, il s'était sincèrement repenti et il avait été guéri en mmh. fait euh, du SIDA. Et il avait fourni les documents euh, prouvant euh, la guérison. Et euh, je me souviens ce témoignage m'avait vraiment beaucoup touché parce que justement on voyait vraiment cette miséricorde de Dieu. Alors on pourrait se dire, bon, bah, il a bien mérité ce qui lui arrive, il s'est éloigné, il a péché, il est allé dans n'importe quoi, il a couché avec n'importe qui, il a récolté, bon, bah, ça va lui accompagner toute sa vie, mais la miséricorde de Dieu, la grâce de mmh. Dieu était bien plus grande que ce qu'on mmh. aurait pu nous-mêmes penser. Et c'est peut-être le cas pour, pour cette sœur, pour, pour Liliane. Merci Jérémy pour ta réponse. Avec plaisir. Hein. Je connais aussi un, un aumônier de prison, oui. euh, juste pour donner un petit témoignage, mmh. qui lui a, amène beaucoup de gens enseignants dans les prisons. Et il a vu plus d'une fois, euh, surnaturellement, un prisonnier comme ça être relâché, gracié, ah oui. par, la, par la justice, euh, quelqu'un qui venait au Seigneur en nous. C'est vrai que la repentance, elle a aussi la capacité bah, de nous faire même sortir de prison. C'est glorieux, notre vraiment. Notre prison intérieure. Ça ne change pas notre passé, mais ça change notre futur. Mmh. Waouh. Mmh. Oh, ben bah merci. Euh, si vous voulez nous envoyer vos questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse pasteurjaiunequestion.com Et nous allons continuer maintenant avec la rubrique « Culture et médias ». Nadine, tu nous parles du défi Bible Impact. Qu'est-ce donc que ce défi Bible Impact Défi Bible Impact, un truc très 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 intéressant, un défi qui a été lancé par Alain Moustaki et on a une petite vidéo qu'on va écouter tout de suite. Le défi Bible Impact est une mobilisation nationale pour faire connaître le message de l'Évangile en distribuant des Bibles le même jour partout en France. Que tu habites en ville ou dans un village, tu peux t'engager avec nous et te mobiliser dans cette action d'envergure. Nous t'invitons à te procurer 10 Bibles que tu distribueras avec un ami. Offre les Bibles et prix pour que chaque personne puisse découvrir ce merveilleux message d'amour. La prochaine journée Bible Impact aura lieu le... Rejoins-nous Cool Oui. On parle souvent des réseaux sociaux et aujourd'hui vraiment les réseaux sociaux permettent d'atteindre un maximum de personnes en très peu de temps, de façon vraiment massive. Et Alain Moustaki a eu cette idée une fois. Il était un... il a déposé ses enfants à l'école il a vu une affiche qui faisait apologie du péché. Il dit, il a réalisé que lui aussi pouvait utiliser les médias pour pouvoir propager l'évangile. Alors c'est un moyen vraiment simple, c'est très peu coûteux parce qu'en fait c'est de l'idée derrière le défi Bible Impact, c'est de rassembler les églises en fait. C'est que nous, tous, en tant que chrétiens, peu importe notre dénomination, on se met ensemble une journée, deux heures, où, ensemble, nous allons répandre la bonne nouvelle de Jésus. Mm -hmm. Donc, c'est par groupe de deux. Chaque église s'organise par elle-même et on va dans la rue selon une journée qui est déterminée. Et ce qu'on fait, c'est que ce qu'ils font les églises, c'est qu'ils prennent les Bibles et puis ils donnent aux gens. Et dépendamment de la... la l'aisance que la personne qui donne la Bible a, elle peut par partager l'évangile ou tout simplement dire voilà pour vous et puis ça s'arrête là. Mais l'idée c'est de le faire ensemble. Et on voit quelques photos. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui, euh, qui font ce, qui font le, qui participent au débib Impact. Mais il n'est pas, il n'est pas réservé aux jeunes. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et voilà, ils, euh, ils vont dans la rue comme ça, en France, dans plusieurs villes et ils, euh, ils partagent la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Ils ont une page Facebook, et aussi ils ont une, un site internet bible-impact.com. Et jusqu'à à présent, il y a une, un défi qui, qui a eu lieu récemment au mois de mars, mm -hmm. et euh, ils ont eu 80 villes qui ont participé. Et il y a d'autres villes? villes de oui, France okay. qui ont participé. Et il y a d'autres pays aussi qui, qui se proposent de participer, c'est trois fois par année. Et c'est vraiment un, un moyen très facile de, de, de pouvoir aller pour à, apporter l'évangile. Parce qu'on a parlé aujourd'hui de comment revenir à Dieu après s'être éloigné. Et quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, mais il n'aura peut-être pas le réflexe, lui, d'aller cogner à la porte d'une église pour dire Bon, voilà, me revois, mm -hmm. me revoilà. Mm -hmm. Mais juste le fait il sort d'un métro, peut-être que la pensée est dans son cœur, il lutte encore. Et bon, il y a quelqu'un qui lui offre une Bible, qui lui donne une Bible. Et le fait de le faire ensemble, il y a un mouvement de prière autour. Il y a le Saint-Esprit qui est là aussi. Mm -hmm. et on ne sait pas comment il peut toucher les gens. Donc, le défi Bible Impact, si vous voulez vous inscrire, euh, vous allez directement sur leur site bible-impact.com. Et le prochain événement est le 6 octobre 2018. C'est super tout ça. C'est vraiment super. C'est une bonne idée, je trouve. Oui. Hein. Ah, vous, vous connaissiez le, le concept euh, le, concept, euh, le concept est vieux comme le monde, si je peux dire que ça concerne. Moi, <laughs> non, je me non, souviens, il y a plus de 20 baguette. ans, il y avait une Bible par foyer okay. et on distribuait dans notre ville ben, pour tout le monde. On avait pris. Euh tous les habitants de la ville, on faisait du porte à porte pour distribuer la Bible gratuitement. En tout cas, les Gédéons aussi oui. distribuent mm -hmm. la Bible, il y a toutes sortes de ministères. Mm -hmm. Plus on distribue la parole, mieux c'est. Mm -hmm. Et donc, évidemment, on ne peut être qu'en faveur de ce genre d'événement. Mm -hmm. Et il faut sortir. Je me souviens, il y a, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, mais dans, dans notre église, on a eu une distribution de Bible avec les Gédéons. Ouais. Et il y avait cette idée de dire Ah, c'est dur, les gens ne veulent pas. Mais quand l'équipe est revenue en disant ah, oh, c'est il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la Bible avec joie et tout. Et, et j'aimerais m'adresser à ceux qui disent « Ah, mais ça ne marche pas, les gens ne veulent plus la Bible. » Non, non, ça, des fois, c'est des mensonges, oui. ou des fois, c'est des, des excuses oui. ou alors des, des idées préconçues. Mm -hmm. Mais si vous allez dans la rue, si vous distribuez, si vous êtes au contact des gens, puis euh, Jérémie est bien placé pour nous le oui, dire, que vous. quand on va, quand on sort et quand on parle aux gens ou quand on distribue la Bible, eh bien, euh, la réponse est bien plus positive qu'on ne le croit. Mm -hmm. Et les gens ont soif on est dans, une, dans un monde qui a soif de la parole de Dieu, qui a soif de la bonne nouvelle. Mmh, vraiment. Ouais. Après, ça dépend si comment on donne la Bible hein, ou l'Évangile. Mmh. Si on dit... Bah... Fais-nous un petit cours, Jérémy. Mmh. <laughs> si on dit j'ai une bonne nouvelle... <laughs> Je ne suis pas sûre qu'on voyait l'expression de ton visage, tu peux me la remettre bah. à moi. Tiens. Voilà. <rire> <rire> Pour que la caméra puisse... Sinon, vibrer. tu peux dire eh, c'est ce que vous ouah, attendiez. Ouah, Là, tu, tu donnes à la personne. Non, mais on peut, on peut la donner avec joie, avec humour. Oui. Euh... Et bah voilà, on m'a chargé de vous donner ça. Mmh. Il, y a plein de, il, y a, il y a plein de façons de donner l'évangile en fait à des mmh. gens. C'est super ce genre d'événement. Moi je trouve ça vraiment cool. Ouais. J'ai moi-même le projet d'en faire plus. Mais on en avait fait un à l'église. Oui. Si tout souviens, c'était à l'époque de Noël. Je crois qu'il y avait peut-être 2000 ou 3000 personnes dans, la, dans une même rue. C'était énorme dans la ville où l'église est. Et on avait comme objectif d'en distribuer. Je ne sais plus combien on en avait 1000 ou 2000 évangiles, je sais plus, avec une, une petite équipe mais on couvrait à moitié bon, il y avait une mascotte donc moi j'étais dans la mascotte comme ça et les gens donnaient mais il y avait tellement de gens en fait qu'on a pu distribuer des centaines et des centaines d'évangiles en quelques minutes mm -hmm. et ça mm -hmm. les églises je veux les encourager à faire ça mm -hmm. c'est super si on entend parler de ça c'est pour que avant le 6 octobre déjà on peut faire quelque chose oui. et je veux encourager les jeunes là où ils sont les églises locales les pasteurs à faire de ce genre de truc ça coûte rien mm -hmm. ou presque rien c'est rapide c'est facile mm -hmm. et c'est euh, plus facile mm -hmm. aussi que bah, l'évangélisation personnelle, où là, on va dans les rues que... pour essayer de parler. Là, c mmh. on va même pas parler. Mmh. La plupart du temps, on va juste distribuer. Ouais. Et des fois, bon, mmh. ça ça marche encore. Je veux dire, ça fonctionne encore. L'évangile est là, mais ça fonctionne encore. Mmh. Les gens vont le lire, en fait. Mmh. Les gens ouais. sont curieux. Les gens vont le lire. Il y en a peut-être qui ne le liront pas, mais je veux dire, il y a des gens qui le liront et l'évangile parle, parle plus fort mmh. même que ouais. nous finalement. Mmh. 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 Bah, prenez des beaux évangiles, s'il y a des évangiles qui sont jolis. Mmh. C'est sûr, c'est ouais. mieux quand on a un beau et un bel bah évangile oui, plutôt qu'un truc envie. qui date de 1920 quoi. <laughs> ouais. ouais, puis c'est sûr, il y a des bibles qui sont écrits tout petits, qui sont ouais, rébarbatifs. Puis euh, quelqu'un qui connaît pas, il va prendre la première page, il va commencer au commencement. Dieu créa. La... La... Oui. Ben ça va être un peu euh, rébarbatif. Mais si c'est des évangiles bien présentés, oh. ça mmh. va donner envie. Exactement. Donc, euh, faut réfléchir aussi à ce qu'on donne, oui. comment on le donne mais aussi ce qu'on donne. Exactement, mais c'est vraiment une belle initiative et puis le fait que ce soit une même journée mmh. partout ça, en, en fait. France, ouais. il y a comme un engouement en voilà. fait et le faire soi-même tout seul, ça peut être un petit peu euh, intimidant, mais le, le dire allez, sur toute la France, il y a plein d'autres mmh. personnes qui se mobilisent avec nous, qui sont en train de distribuer des Bibles. Euh, je pense que ça peut vraiment amener euh, un effet boule de neige, en ouais, fait. Ouais, ouais. Et puis, c'est dire, allez, un, un bon coup de boost pour la France, euh, mmh. ça vaut la peine. Et puis, faites-le dans d'autres pays. Hein, vous nous écoutez en Belgique, en Suisse, euh, en Côte d'Ivoire, au Congo. Cameroun, au Congo, euh, au Québec. Euh, J'en oublie. Le euh, mmh. Québec, c'est pas un pays, pays, mais d'accord. Pour <laughs> <c 'est> pas... <laughs> bon, les Québécois, le Québec <laughs> est un pays. <rire> presque. Presque. <rire> non, Jonathan, euh, <rire> <hésite>. <rire> il ne répondra pas. <laughs> bon, bah merci Nadine, en tout cas, pour cette cette belle présentation merci. et puis merci à Alain Moustaki hein, oui, de l'initiative. Ouais. C'est super. Ouais. Et euh, donc on revient euh, rapidement en conclusion au thème de notre émission qui est vraiment quelque chose d'important et je ne veux pas qu'on perde le fil. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, de ce qui a été partagé. Réécoutez la, la pensée de Anne si vous en avez l'opportunité mmh. sur le site enseignemoi.com. Vous pouvez également partager cette émission si vous connaissez euh, des frères, des sœurs qui sont éloignés euh, de Dieu. Bah, C'est un bon moyen peut-être de reprendre contact avec eux, les encourager. Mais surtout vraiment, euh, vous qui vous êtes peut-être éloigné, vous écoutez cette émission aujourd'hui. Je veux vraiment que vous puissiez prendre une décision aujourd'hui. C'est disponible aujourd'hui. Dieu est là, il vous attend. Comme le père attendait le fils prodigue qui s'était éloigné, c'était son fils, il était parti. Et Dieu est euh, votre père. Vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Il vous attend. Il vous attend depuis longtemps. Alors, revenez à Lui, vraiment, je vous en prie. Revenez à Lui, prenez la bonne décision aujourd'hui. Laissez de côté tous les a, priori, les a priori que vous pourriez avoir, toutes les pensées que vous pourriez avoir, qui vous disent que Dieu n'a ne, ne, été déçu, que Dieu ne peut plus vous pardonner, que c'est trop tard, que c'est fini pour vous. C'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est encore possible. Vous pouvez mmh. prendre la mmh. décision de revenir de tout votre cœur à Dieu. Et j'espère vraiment que vous allez le faire. Et nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Choisis bien celui ou celle qui partagera ta vie à vie » aux célibataires. Nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Lady Storm qui nous a dit qu'elle n'a pas choisi son mari par hasard. On se retrouve demain. Passez une bonne journée et bonjour chez vous.